transforma l'eau en vin. Toucha mes yeux de ta main, de nez comme toi. Ténèbres, tu brilles, tu nous redonnes la vie, nul n'est comme toi, comme toi. Dieu admirable, Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance, Dieu de miracle, incomparable, oh Dieu. Maintenant vous avez pris le rythme du chant, alors on va pouvoir y aller. Tu transformas. Tu transformas l'eau en vin. Toucha les yeux de ta main. Nul n'est comme toi. Comme toi. Dans nos ténèbres tu brilles. Tu nous redonnes la vie. Puissance, Dieu de miracle, incomparable, oh Dieu, Dieu admirable, Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance, Dieu de miracle, incomparable, oh Dieu, notre Dieu. Qui notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Inébranlable, ton nom surpasse toute puissance, Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, Dieu admirable, à vous, inébranlable. Incomparable, oh Dieu, une dernière fois, Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance, Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, amen, on peut applaudir le Seigneur ce matin, on peut l'applaudir, on peut l'acclamer, il mérite. Il mérite notre louange, il mérite notre adoration. Il y a tellement de gens qu'on applaudit, et c'est important, hein, c'est important de remercier les gens. Mais je pense à tous ces supporters, ces pauvres supporters de l'Estac, toute l'année ça va être difficile, ils vont se dire j'espère qu'on ne va pas descendre, et vous allez voir de la ferveur en espérant que ça dure toute la saison, mais notre Dieu, lui, il a déjà gagné. La question ne se pose pas, il a déjà remporté la victoire, et il mérite qu'on l'honore et qu'on l'acclame. On le chante encore ensemble ? Celui-là, vous le connaissez, mais pas forcément avec ce rythme-là, mais ça va aller. Car Dieu est le Dieu puissant, il règne de
sens a lieu avec sagesse, amour, oui, Dieu est le Dieu puissant, car Dieu est le Dieu puissant et vrai, de sens a lieu avec sagesse, amour, oui, Dieu est le Dieu puissant, car Dieu est un Dieu puissant et vrai, de sens a lieu avec sagesse, amour, et Dieu est le Dieu puissant. On écoute la musique. Car Dieu est un Dieu puissant et règne de son saint lieu avec sagesse, amour, oui, Dieu est le Dieu puissant. Car Dieu est le Dieu puissant et règne de son saint lieu avec sagesse, amour, oui, Dieu est le Dieu puissant. Oui, Dieu. Oui, Dieu est le Dieu puissant. Oui, Dieu est le Dieu puissant. Amen. Alors, la prochaine fois qu'on le chante, on fera encore un petit changement. C'est le chant, ça c'est le chant, c'est la base. Hein. Car Dieu est un Dieu puissant, mais moi j'aime bien dire qu'il est le Dieu puissant. Il n'y a pas d'autre Dieu que lui. Et il est le seul capable d'agir dans nos vies. On a chanté dans ses premiers chants un Dieu qui est capable de tout. Vous n'avez pas forcément besoin aujourd'hui que Dieu transforme votre eau en vin. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui boit d'alcool, et encore moins du vin. Pour la Sainte-Seine, je le fais. Hein. Je n'ai pas besoin de ça. Mais Dieu sait quel est mon besoin. Et on n'a pas forcément besoin qu'il sépare les mers en deux. Ce n'est pas forcément ça mon besoin, mais lui le connaît. Et ce matin, je peux le louer parce qu'il me connaît, parce qu'il sait déjà ce qu'il me faut. Ce matin, j'aimerais nous inviter à nous focaliser sur lui. Vos soucis, si je vous dis prenez-les avec vous, de toute façon, vous n'avez pas le choix, ils sont là. Et les miens aussi. Mais si ce matin, on pouvait dire Seigneur, c'est pour toi. Je sais ce qui m'attend derrière, mais je sais aussi que tu seras avec moi et que tu vas agir. Amen. Après, sentez-vous libre, hein. Vous asseoir, vous lever, il n'y a pas de souci avec ça. Je ne veux pas vous forcer à quoi que ce soit. Sentez-vous vraiment libre. Je n'ai que toi dans le ciel. Je ne désire rien d'autre que toi sur la terre. Si je suis faible, ou même si je tombe, Dieu est le soutien de mon cœur. Dieu, tu es, Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Mon héritage est mon plus grand bien. Oh oui, Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Près de toi, je me sens bien. Quand mon cœur était plein d'amertume, je perdais la raison et je n'y voyais plus rien. Mais Dieu s'approcha pour me saisir la main. Dieu est le soutien de mon cœur. Dieu, tu es Dieu. Perdais la raison et je n'y voyais plus rien. Mais Dieu
Dieu s'approcha pour me saisir la main. Dieu est le soutien de nos cœurs. Dieu, tu es, Dieu, tu es le soutien de nos cœurs. Mon héritage et mon plus grand bien. Oh oui, Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Près de toi, je me sens bien. On peut louer le Seigneur ensemble. Peut-être quelques voix veulent s'élever pour dire au Seigneur, c'est vrai, tu es mon soutien. Si je suis debout, c'est par ta grâce et c'est par ta force. Alors louons le Seigneur ensemble. Alléluia. Que ces lieux soient visités par ta sainte présence. Que ces lieux soient balayés par le vent de ton esprit. Lève-toi de ton seul lieu. Que toute ombre soit chassée par ta lumière éclairée. Dans ta main, tiens-nous cachés. Car de nous, au creux du rocher, lorsque tu présence, que ces lieux soient les témoins de l'action de ton esprit. Dans ta gloire, viens maintenant, unis-nous en cet instant, que ta vie jaillissant d'abondance. Nous allons voir ta puissance. Amen, est-ce qu'on le croit? On va voir sa puissance. On remet cette strophe. Tu peux remettre, Marc, la strophe juste ici, s'il te plaît. Alléluia. Manifeste ta présence et ta puissance au milieu de nous, Seigneur. Utilise-nous, Seigneur, comme des témoins fidèles dans cette ville, comme des témoins fidèles dans ce pays, comme des témoins fidèles dans ce monde, Seigneur. Que le monde voit que nous sommes tes enfants. Seigneur, que nous puissions nous effacer devant toi, que nous puissions te laisser la place qui t'est due, cette première place que tu désires et cette première place, Seigneur, que tu mérites. Seigneur, glorifie-toi en nous. Glorifie-toi au milieu de nous,
pour l'honneur et la gloire de ton nom. Alléluia, sois béni, Seigneur. Que ces lieux soient visités par ta sainte présence. Que ces lieux soient les témoins de l'action de ton esprit dans ta gloire. Viens maintenant, unis-nous en cet instant. Que ta vie jaillisse en abondance. Nous allons voir ta puissance. Nous allons voir ta puissance. Alléluia, veux te laisser faire, Seigneur. Au-dessus des rois et des puissances, au-dessus de la nature, la création, au-dessus de toute sagesse humaine, tu étais là avant que soit ce monde. Au-dessus des trônes et des royaumes, au-dessus de toutes les beautés de la terre, au-dessus des plus grandes des richesses, rien ne peut mesurer ta grandeur. Dans un tombeau laissé, tu es mourir, se les rejeter comme une rose, follée par nos pieds. Tu as prié, pensant à nous, au-dessus de toi. Au-dessus des rois et des puissances, au-dessus de la nature, la création, au-dessus de toute sagesse humaine, tu étais là avant que soit ce monde. Au-dessus des trônes et des royaumes, au-dessus de toutes les beautés de la terre, au-dessus des plus grandes des richesses, rien ne peut mesurer ta grandeur. Dans un tombeau laissé, tu mourrais, se les rejeter comme une rose, follée par nos pieds. Tu as prié, pensant à nous, au-dessus de toi. Au-dessus des rois et des puissances, au-dessus de la nature, la création, au-dessus de
toute sagesse humaine. Tu étais là avant que soit ce monde, au-dessus des trônes et des noyaux, au-dessus de toutes les beautés de la terre, au-dessus des plus grandes des richesses, rien ne peut mesurer ta grandeur. Crucifié dans un tombeau, je dirais bien de vous rasseoir, mais je sais que pour le chant qu'on va faire pendant les offrandes, je pense que vous allez vous lever. Mais vous étonnez pas, hein, les frères vont passer pendant qu'on chante le chant. On n'oubliera pas de prier pour les offrandes, on le fera juste à la fin. Comme ça, ça ne coupe pas le rythme. De mon salut en Jésus mon roi, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut en Jésus mon roi. Il rend mes pieds, il rend mes pieds semblables à ceux des biches. Il me fait marcher, il me fait marcher sur des lieux élevés. L'Éternel est ma force. Alléluia, alléluia, alléluia Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia Jésus. Je veux me réjouir. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus mon roi, il rend mes pieds, il rend mes pieds semblables à ceux des biches. Il me fait marcher, il me fait marcher sur des lieux élevés. L'Éternel est ma force. Alléluia, alléluia, alléluia Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia Jésus. Ensemble louons le Seigneur, il est vivant. 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 Et ahé. Seigneur, il est vivant. Et yahé, louons le Seigneur, il est vivant. Ensemble, louons le Seigneur, il est vivant.
Ensemble louons le Seigneur, il est vivant. Ensemble louons le Seigneur, il est vivant. Ensemble louons le Seigneur, il est vivant. Hey, ah, hey, hey, ah, hey, ah, louons le Seigneur, il est vivant. Hey, ah, hey, ah, louons le Seigneur, il est vivant. Là, on veut louer le Seigneur. On l'a chanté, en particulier sur ces deux derniers chants. Nous nous sommes rappelés qu'il a été crucifié pour nous. Nous nous sommes rappelés qu'il a été meurtri. Nous nous sommes rappelés qu'il a pris notre place. Et puis, tout ne s'est pas arrêté à la croix, tout ne s'est pas arrêté au tombeau. On chante dans ce dernier chant qu'il est vivant. Amen. Il est vivant. J'aimerais ce matin que nous puissions nous rappeler qu'il est vivant. Il est vivant pour agir, il est vivant pour bénir, il est vivant pour délivrer. Il veut le faire encore aujourd'hui. Depuis que nous vivons dans ces temps de coronavirus, on s'est tous plus ou moins posé cette même question. Où est mon masque ? Mince, j'ai oublié mon masque. C'est pas vrai ? Alors on essaie d'en mettre dans les sacs, on essaie d'en mettre dans les sacoches. Je pense en particulier aux dames qui n'ont pas qu'un seul sac à main, mais qui en ont plein. Pas tout le monde, hein. Mais de se dire, il me faudrait je ne sais pas combien de masques. Pourquoi je vous dis ça ? C'est parce que c'est devenu une habitude. On a dû prendre cette habitude. Et spirituellement, on a besoin de se rappeler aussi parfois, où est ma Bible ? Où est ma vie de prière ? Où est ma relation avec Dieu ? Dieu ne nous oubliera jamais. Il ne peut pas. Il aime l'homme, il aime la femme, il aime l'être humain, pécheur, sauvé, peu importe. Il ne nous oubliera jamais. À nous de ne pas l'oublier non plus. Alors je sais qu'aujourd'hui, il n'y a pas simplement le côté Bible en papier. Moi, je vous avoue que c'est une Bible qui me tient particulièrement à cœur. C'est ma Bible de baptême. Elle est toute ébouillée de partout. Elle est toute coloriée de partout. Elle a du scotch aussi pas mal. Mais je la prends parce que j'aime le sentir aussi le papier. Alors aujourd'hui, peut-être quelqu'un va me dire, moi, je n'ai pas ma Bible papier, mais j'ai cet objet qui s'appelle un téléphone, mais dont je ne me sers plus pour téléphoner, mais je me sers pour tellement d'autres choses. Et il y a peut-être la Bible à l'intérieur. Vous inquiétez pas, il n'y a pas de problème avec ça. Tant que vous le mettez en silencieux, il n'y a pas de souci. Mais pourquoi je vous dis ça ? Il y a des choses qu'on n'oublie jamais. Il y a des choses, si on les oublie, on a du mal à vivre sans. Mais il faudrait que ce soit la même chose avec notre Dieu. Jamais sans lui. Jamais sans un temps de relation particulière avec lui. Et ce matin, c'est ce que nous avons fait au travers de la louange. N'oublions pas que c'est à lui qu'on rend la louange, ça nous fait du bien aussi de le louer. Mais je ne veux jamais oublier à qui je rends ma louange. Il est digne de louange et d'adoration. Il est digne que je puisse le louer. Et là, ça va au-delà de « je me sens bien pour le faire ». Je dois le faire. Vous croyez que Daniel, dans la fosse aux lions, se sentait bien vraiment pour prier le Seigneur, était dans de bonnes conditions ? Vous croyez que Paul et Silas, dans la prison à Philippe, étaient dans de bonnes conditions ? Vous croyez que Jonas, au fond de la cale du navire, était dans de bonnes conditions pour prier son Seigneur ? Ils n'ont pas regardé à ça. Ils savaient qu'à tout moment, ils pouvaient s'adresser à Dieu. Et j'aimerais qu'on se rappelle cela pour notre part. À tout moment, nous pouvons nous adresser à Dieu. Vous partagez quelques passages ce matin. Exode chapitre 15. On l'a partagé ensemble à la fin de ma prédication de la semaine dernière, mais j'y reviens quelques instants. Je voudrais partager quelques passages dans le livre de l'Exode ce matin. Il en fait partie. Exode chapitre 15. Toujours dans cette même thématique que nous avons commencé la semaine dernière, l'Éternel est.
qu'est-ce qu'il est pour moi et qu'est-ce qu'il est aussi dans la parole de Dieu. Exode chapitre 15, les premiers versets nous disent « Alors Moïse et les enfants d'Israël chantèrent ce cantique à l'Éternel. Ils dirent « Je chanterai à l'Éternel car il a fait éclater sa gloire. Il a précipité dans la mer le cheval et son cavalier. L'Éternel est ma force, on vient de le chanter, hein, est le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Il est mon Dieu. Je le célébrerai. Il est le Dieu de mon Père. Je l'exalterai. » L'Éternel est un vaillant guerrier. C'est vrai que dans nos combats, dans nos luttes, il vaut mieux l'avoir avec nous que contre. Et il vaut mieux l'avoir avec nous que pas du tout. L'Éternel est son nom. L'Éternel, qui n'a ni commencement ni fin, qui est là, quoi qu'il arrive. Moi, je finirai par passer, mais lui continuera d'être là. Il a lancé dans la mer les chars de Pharaon et son armée. Ses combattants d'élite ont été engloutis dans la mer Rouge. Les flots les ont couverts. Ils sont descendus au fond des eaux comme une pierre. Ta droite, ô Éternel, a signalé sa force. Ta droite, ô Éternel, a écrasé l'ennemi. Par la grandeur de ta majesté, tu renverses tes adversaires, tu déchaînes ta colère et les consumes comme du chaume. Au souffle de tes narines, les eaux se sont amoncelées, les courants se sont dressés comme une muraille, les flots se sont durcis au milieu de la mer. J'arrête là pour le premier passage, mais nous rappeler tout simplement, dans les moments difficiles, dans les moments que je traverse, quels que soient ces moments, que l'Éternel est ma force, est le sujet de mes louanges. Il mérite que nous puissions élever notre voix. Alors peut-être que vous direz, « Ouais, mais Pierre, tout le monde n'a pas une grosse voix comme la tienne, et puis tout le monde n'a pas la chance d'avoir un micro comme le tien, et puis une salle qui résonne comme celle-là. » Mais en fait, ce n'est pas ça qui compte. Quand je prie, ce qui compte, ce n'est pas que vous m'entendiez, c'est que Dieu m'entende. Si vous avez quelque chose à entendre de la part de Dieu, vous pouvez être dans un brouhaha terrible. Dieu vous fera entendre ce qu'il a à vous dire, toujours. Bien sûr qu'il y a les circonstances. Moi, je remercie toujours les gens qui sont à la sono parce que, ben, il peut y avoir du Larsen, il peut y avoir pas mal de choses, des micros qui ne fonctionnent plus, manque de piles et tout ça. Et merci aux gens de la technique parce qu'on ne ferait pas grand-chose sans eux. C'est comme les paroles. Vous savez, quelque part, celui qui commande pendant qu'on fait chanter ou qu'on prêche et que les textes sont affichés, c'est celui qui a la vidéoprojection. Hein. Parce que s'il a envie d'afficher un autre chant ou un autre texte, il peut le faire. Hein. Nous, on n'y pourra pas grand-chose. Mais tout simplement se rappeler que l'Éternel a été ma force. L'Éternel est ma force. Et l'Éternel sera toujours ma force si je fais appel à lui. Nous rappeler aussi qu'il y a d'autres forces. Parfois, si l'Éternel n'est plus avec nous, c'est peut-être parce que nous l'avons décidé et que nous avons décidé qu'une autre force prenne la place. L'importance aussi de lui rendre la place qui lui est due. Le Seigneur a-t-il toujours la première place dans ma vie? C'est une question que chacun d'entre nous, nous devons nous poser. Peu importe notre rang, peu importe qui nous sommes. Le sujet de mes louanges, c'est lui qui m'a sauvé. Je veux me rappeler que c'est lui qui l'a fait. Samson, à un moment donné, avec une mâchoire d'âne, va tuer 1000 hommes. Et c'est ce qu'il va dire, d'ailleurs. Il va dire, avec une mâchoire d'âne, j'ai tué 1000 hommes. Et très peu de temps après, si vous lisez les récits, eh bien, vous allez vous apercevoir que Samson va avoir une petite soif. Il fait chaud en ce moment, on a vite soif. Eh bien, lui, il va avoir une petite soif. Et il va manquer d'eau. Et il va manquer de mourir parce qu'il manque d'eau. Et vous savez ce qu'il va dire? Seigneur éternel, c'est toi qui a accompli le miracle. Il s'est rappelé tout simplement que ce n'était qu'un canot que Dieu utilisait pour bénir. L'important n'était pas Samson dans l'histoire. L'important, c'était le Seigneur de Samson. L'important dans la louange, ce n'est pas celui qui fait la louange, c'est à qui je rends la louange. C'est ça le plus important. Je veux me rappeler qu'il est le Dieu de mon salut, qu'il est ma force. Il dit, c'est lui qui m'a sauvé. L'Éternel est un vaillant guerrier.
Qui n'a plus de lutte? Qui n'a pas de combat ici? Qui n'a pas de difficulté? Vous savez, ceux qui n'en ont plus, c'est ceux qui sont dans la tombe. Une fois arrivés là, il n'y a plus de lutte, il n'y a plus de combat, c'est fini. Mais en attendant, bah, des luttes et des combats, on en a. Quand le Seigneur Jésus, quand Dieu, pardon, quand l'Éternel a dit « Mais allez vers la terre promise, Canaan, le pays promis », il n'a pas dit « Allez vers le paradis ». Non, parce que à la terre promise, quand ils y sont arrivés, il y avait quoi? Il y avait des luttes, il y avait des combats. Ils ont passé bon nombre d'années à lutter pour libérer, pour prendre possession. Et dans notre vie, ben, c'est ça aussi. Hein. On lutte. Mais j'aimerais nous poser la question aussi ce matin, est-ce que je lutte avec Dieu ou est-ce que je lutte sans lui? Est-ce que je fais appel à Dieu que quand j'en ai besoin ou que quand il me semble en avoir besoin? Ou est-ce que je fais appel à Dieu continuellement? Je sais qu'il est avec moi, pourquoi? Parce qu'il a validé mon trajet. C'est lui qui l'a fait, c'est lui qui conduit. Nous pouvons dire, comme le prophète Samuel, jusqu'à aujourd'hui, l'Éternel nous a secourus. Notre présence en est la preuve. Bon nombre de fois, comme je le disais aussi la semaine dernière, on peut témoigner que le Seigneur nous a gardés. Bon nombre de fois, on ne peut pas le faire et pourtant il nous a gardés. Il nous a protégés. Ta droite, ô Éternel, a signalé sa force. Je veux me rappeler que notre Dieu est un Dieu fort. Notre Dieu est un Dieu grand. Notre Dieu est un Dieu comme nous l'avons chanté, et cette liste, elle ne date de chant, elle ne date pas d'hier, elle date d'il y a quelques 15 jours, peut-être même 3 semaines, puisque je devais faire chanter et que j'ai été remplacé. Mais rappelons-nous de la grandeur de Dieu. Combien il est grand, combien il est capable d'agir au-delà de ce que je pense ou de ce que j'espère. Exode chapitre 17. Notre facette de ce que l'Éternel est, et c'est important de se poser aussi cette même question, j'en ai un peu traité juste avant, mais on va lire ce texte. Exode 17, le début, premier verset, « Toute l'assemblée des enfants d'Israël partit au désert de Sin, selon les marches que l'Éternel leur avait ordonnées. Ils campèrent à Réphidim, où le peuple ne trouva point d'eau à boire. Alors le peuple chercha querelle à Moïse. Ils dirent, « Donnez-nous de l'eau à boire. » Moïse leur répondit, « Pourquoi me cherchez-vous querelle? Pourquoi tentez-vous l'Éternel ?» Le peuple était là, pressé par la soif, et murmurait contre Moïse. Il disait, « Pourquoi nous as-tu fait monter hors d'Égypte? Pour nous faire mourir ou pour me faire mourir de soif, avec mes enfants et mes troupeaux ?» Moïse cria à l'Éternel en disant, « Que ferai-je à ce peuple? Encore un peu, ils me lapideront. » L'Éternel dit à Moïse, « Passe devant le peuple, prends avec toi des anciens d'Israël. » Prends aussi dans ta main ta verge avec laquelle tu as frappé le fleuve et marche. Voici, je me tiendrai devant toi sur le rocher d'Horeb. Tu frapperas le rocher, il en sortira de l'eau. Le peuple boira. Moïse fit ainsi aux yeux des anciens d'Israël. Il donna à ce lieu le nom de Massa et Meriba parce que les enfants d'Israël avaient contesté et parce qu'ils avaient tenté l'Éternel en disant, et regardez leur discours, « L'Éternel est-il au milieu de nous, où n'y est-il pas ?» J'aimerais vous rappeler quelques secondes le contexte de ce peuple. Esclaves, pendant 430 années, ils ont appris la vie en tant qu'esclaves. Puis ils ont vu les miracles au travers des plaies d'Égypte. Et je rappelle quand même que les plaies d'Égypte touchaient les Égyptiens, mais ne touchaient pas les Hébreux. Puis ils sont sortis. Fait extraordinaire. Ils avaient tellement espéré ça que je pense même que quand c'est arrivé, ils n'y ont pas tous cru. De se dire, mais enfin, nous avons le pied dehors. C'est un peu comme dans nos difficultés, quand le problème persiste pendant X années et que d'un seul coup, la chose est changée. Je me souviens de cet homme, nous faisions un temps de prière et puis il me disait, « Pierre, je suis désolé, mais je ne me suis pas approché à la prière. J'ai cette douleur à l'épaule
depuis que ce temps, et puis je me suis habitué, et quand il y a eu le temps de la prière, j'ai pas voulu m'approcher, j'en suis désolé. » Et il continue son histoire en disant, « Mais je ne me suis pas approché, mais Dieu a vu ma douleur. » Et il s'en est chargé. Et après tant d'années, ben, il n'a plus eu de douleur. Et pourquoi je vous raconte cette histoire? Parce que cet homme, dans la suite, il me dit des fois, « J'ai des souvenirs qui me reviennent et je vis comme quand j'avais mal. » Il n'a plus la douleur. Mais il vit parfois, en tout cas il vivait parfois, comme s'il l'avait. Frères et sœurs, parfois le plus terrible dans notre vie, c'est de vivre comme des gens qui sont guéris alors que nous sommes malades. Mais c'est aussi de vivre comme des gens qui sont malades alors que nous avons été guéris. C'est de vivre comme des gens sauvés alors que nous ne l'avons pas été et nous n'avons pas demandé pardon au Seigneur pour nos péchés. Mais c'est aussi parfois de vivre sous l'esclavage alors que Dieu nous a déjà délivrés de l'esclavage. Ça, c'est aussi une mentalité. On raconte ces histoires, vous savez, dans les cirques. Alors aujourd'hui, on essaye que les animaux ne soient plus utilisés dans les cirques. Je ne veux pas vous parler de ça ce matin, mais vous savez, pour les éléphants, c'est assez imposant, ça prend de la place et tout. Et très petit, on leur enseigne que la corde qui les maintient est plus forte qu'eux. Et au début, on prend une grande corde. Comme ça, ils ont un peu d'espace, ils peuvent tourner, mais ils savent qu'arrivé à tel moment, la corde, c'est fini, ils ne peuvent pas aller plus loin. Et plus ils grandissent, plus la corde, elle rétrécit. Et à la fin, eh ben, on leur met une toute petite corde, pas grand-chose. Mais eux, comme ils voient cette corde, ils se disent, ben, c'est même pas la peine que je marche, la corde va m'arrêter. Ben, c'est un peu comme ça que des fois on fait. Combien d'entre nous, combien... Deux fois, nous avons vécu cette expérience en disant « Mais c'est même pas la peine que j'essaie. J'ai déjà perdu. C'est même pas la peine que je m'y mette. » C'est pas comme quelqu'un qui essaye et qui échoue et qui échoue. Bon, ça peut arriver, alors il se peut qu'après il y arrive, mais il y a des gens, ils n'ont pas encore essayé et ils ont déjà échoué dans leur tête. Si Dieu est dans le projet réussira. Peu importe ce qui se passe aux alentours, c'est Dieu qui aura le dernier mot. Là, il est question de l'Éternel est-il au milieu de nous ou n'y est-il pas? Et dans nos projets, frères et sœurs, est-ce que ce n'est pas cette question qu'on doit se poser? Est-ce que l'Éternel est au milieu de nous? Est-ce que l'Éternel est avec nous? Ou est-ce qu'il n'y est pas? Parce que s'il n'y est pas, à quoi ça sert d'y aller? J'avais l'habitude de dire, et je garde ça, c'est un précepte pour ma vie, je veux m'occuper des affaires de Dieu, mais je veux aussi que Dieu s'occupe de mes affaires. Parce que moi, si je m'occupe de mes affaires, forcément, je ferai des erreurs, je ferai des mauvais choix, et je ferai des choses qui pourraient me paraître agréables à Dieu, mais ce n'est pas sûr. Alors que si c'est Dieu qui conduit, si c'est Dieu qui dirige, et si c'est Dieu qui fait, il n'y aura pas d'erreur. Quand Dieu a donné les dimensions de l'arche, là je pense de l'arche de Noé, hein, on pourra parler de l'Arche de l'Alliance plus tard, mais de l'Arche de Noé. Il ne s'est pas trompé d'un centimètre. S'il l'avait fait, parce que des hommes ont essayé de reproduire avec les dimensions, avec exactement ce qu'il fallait. Puis des fois, ils ont essayé de décaler. Tiens, on va mettre un centimètre en moins par là, deux centimètres en moins par là. Alors là, ce n'est pas un expert en bâtiment qui vous parle. Hein. Alain vous parlerait certainement mieux que moi de ça. Mais ils ont essayé en disant, mais tiens, voilà, il a donné ses... Les directives, il a donné les coudées qu'il fallait, et ça flotte. Et il n'y a pas de problème avec ça. Et ils ont essayé un peu plus, un peu moins. Bah, à chaque fois qu'ils ont essayé un peu plus ou un peu moins, le bateau a coulé. Pourquoi? Parce que Dieu sait ce qu'il fait. Dieu est aux commandes. Quand Dieu nous a créés, il ne nous a pas créés à moitié. La Bible dit que Dieu nous aime d'un amour éternel. J'aimerais que nous puissions nous poser la question ce matin. Est-ce que Dieu est au milieu de nous ou n'y est-il pas? Est-ce que Dieu est au milieu de mes projets? Est-ce que Dieu est au milieu de ma famille? Est-ce que Dieu est dans tel... On ne contrôle pas tout. Même notre arrivée ici, vous savez, je me rappelle très bien, lorsque nous avons commencé à parler de notre venue ici avec Alain, je suis venu... Je crois que c'était en octobre ici. Au mois d'octobre, j'ai remplacé Alain un dimanche où il ne pouvait pas être là. Puis j'ai eu à cœur Sainte-Savine. Je me suis dit, tiens. Et puis, ce qu'il faut que vous sachiez, c'est qu'une semaine avant,
J'étais sur Sochaux et je devais aller sur Sochaux. C'était pratiquement déjà fait. Et puis je suis venu là et, je sais pas, pendant la louange, pendant ce temps de culte, j'ai vraiment senti quelque chose de particulier. J'ai discuté avec certains d'entre vous, il y a des paroles qui ont été données, il y a des choses qui me sont restées. Et puis je l'ai laissé passer et puis Sochaux, ne voyant pas la suite, le temps passait, j'avais même pas de retour par rapport à notre venue là-bas. Et puis je me suis trouvé du jour au lendemain en disant, bah non, finalement, Sochaux, ce sera pas pour toi, ce sera pour un tel. Et là, on discutait avec Alain et on se disait, bon, on va faire le tour des postes à pourvoir. Et puis je lui dis, bah, il y a Sainte-Savine. Il me dit, bah, ça tombe bien, je vais revenir vers toi encore une fois, parce que c'est pas la première fois qu'il venait, en disant, mais oui, je pense que tu peux être la personne. Et vous savez, c'est drôle le moment où il y a plein d'incertitudes, puis le moment où les incertitudes, elles peuvent être encore là, mais il y a la paix de Dieu qui surpasse tout. Où on voit que les rouages se mettent en place, où on voit que Dieu prend les rênes. Il y a une grande différence quand même quand nous essayons de bâtir un projet de nous-mêmes et quand c'est Dieu qui conduit les choses. Et dans notre vie, je pourrais tous vous faire passer certainement derrière ce pupitre où vous rendriez témoignage de la même manière que moi. Combien quand Dieu a pris les rênes de ma vie, combien quand Dieu a pris les rênes de tel ou tel projet, eh bien, le projet a réussi. Mais il faut qu'il reste aux commandes. Le plus difficile, frères et sœurs, c'est de ne pas reprendre les rênes. Il faut lui laisser. Il faut qu'on lui soit soumis. Il faut que nous puissions dire, mais oui, j'ai la certitude que ce projet, il est de Dieu parce que c'est Dieu qui le conduit. Parce que c'est Dieu qui le dirige. Exode chapitre 18, à partir du verset 5. Peut-être au milieu de nous, il y avait des gens qui n'avaient jamais lu des textes dans l'Exode. Ben, ce matin, vous avez un peu votre dose. Exode 18, le verset 5. Jéthro, beau-père de Moïse, avec les fils et la femme de Moïse, vint au désert où il campait, à la montagne de Dieu. Ils firent dire à Moïse, « Moi, ton beau-père Jéthro, je viens vers toi avec ta femme et ses deux fils. » Moïse sortit au-devant de son beau-père, il se prosterna, il le baisa. Ils s'informèrent réciproquement de leur santé et ils entrèrent dans la tente de Moïse. Moïse raconta à son beau-père tout ce que l'Éternel avait fait à Pharaon et à l'Égypte à cause d'Israël. Toutes les souffrances qui leur étaient survenues en chemin et comment l'Éternel les avait délivrées. Jéthro se réjouit de tout le bien que l'Éternel avait fait à Israël et de ce qu'il avait délivré de la main des Égyptiens. Jéthro dit, « Béni soit l'Éternel qui vous a délivré de la main des Égyptiens, de la main de Pharaon, qui a délivré le peuple de la main des Égyptiens. Je reconnais maintenant que l'Éternel est plus grand que tous les dieux. » On l'a chanté, hein ?« Car la méchanceté des Égyptiens est retombée sur eux. » Jéthro, beau-père de Moïse, offrit à Dieu un holocauste et des sacrifices. Aaron et tous les anciens d'Israël vinrent participer au repas avec le beau-père de Moïse en présence de Dieu. Je m'arrête là pour ce texte. Vous dire que Jéthro, c'est un personnage dans la parole de Dieu dont on n'entend pas beaucoup parler. Mais à chaque fois qu'on en entend parler, il y a quelque chose qui se passe. Soit pour lui, soit pour Moïse. Jéthro, c'est aussi celui qui a dit à Moïse à un moment donné, « Moïse, t'en fais trop, tu te fatigues, alors que t'as plein de gens avec toi qui sont capables de t'aider. » Et très honnêtement, il fallait peut-être oser parler à Moïse de cette manière-là. Puis après, Jéthro, vous n'en entendez quasiment plus parler. Et bien là, dans ce récit, je commence par la fin de ma lecture, Jéthro va dire, « Je reconnais maintenant que l'Éternel est plus grand que tous les dieux. » Pourquoi ? Parce qu'il a entendu et il a vu. Je voudrais vous inviter dans votre vie à considérer ce que Dieu a déjà fait. Comment il a agi, de la manière dont il l'a fait. Peut-être, si je posais la question ici, est-ce que quelqu'un croit au milieu de nous que Dieu ne peut pas tout faire ? Peut-être que je n'aurai aucune main qui va se lever, parce que nous croyons peut-être tous qu'il peut tout. Mais j'aimerais dire aussi, alors pourquoi parfois nous ne lui apportons pas tout au pied de la croix ? Nous savons qu'il peut tout, mais le savoir, ça n'est pas le vivre.
À un moment donné, nous avons aussi besoin de dire, ben oui, je reconnais que tu peux tout, puisque je le dis à un tel ou à un tel, puisque j'encourage un tel ou une telle à dire, ben oui, il peut tout, il peut agir dans ta vie, je dois aussi me le dire à moi-même. Dieu peut faire quelque chose pour ma vie. Dieu peut conduire toutes choses. Je ne sais pas si, jusqu'à aujourd'hui, vous aviez choisi toutes les étapes de votre voyage terrestre. Tiens, j'ai prévu d'aller à tel endroit, puis à tel endroit, puis après à tel endroit, puis après j'habiterai à tel endroit. Bien souvent, tout est chamboulé. C'est possible que ça arrive, mais bien souvent, Dieu chamboule les plans. Il nous met dans des situations qu'on ne maîtrise pas. Pourquoi ? Parce qu'il faut que ce soit lui au contrôle. Il place les Hébreux dans le désert. Et une des définitions du désert, c'est qu'il n'y a rien. Il n'y a rien qui pousse. On ne peut rien faire du désert, apparemment. Mais Dieu, au désert, a parlé à son peuple. Dieu, au désert, a nourri son peuple. Dieu, au désert, a habillé son peuple. Dieu, au désert, a pourvu en tout. Et d'ailleurs, ils vont reconnaître que durant toutes ces années au désert, et ça n'a pas été deux jours, vous le savez, ils n'ont manqué de rien. Il est même dit que leurs habits ne se sont pas abîmés, leurs chaussures ne se sont pas usées. Alors certes, au niveau commerce de la chaussure et de l'habillement, n'en parlons pas, mais Dieu a pourvu. Est-ce que nous connaissons le même Dieu ? C'est un autre Dieu que nous servons ? C'est un autre Dieu auquel je crois aujourd'hui ? Non, c'est le même. C'est le même. C'est ce Dieu qui dit et la chose arrive. C'est ce Dieu qui ordonne et elle existe. Et est-ce que nous sommes mieux que ce peuple qui était dans le désert ? Vous savez, la réputation des Français, c'est des gens qui râlent. Si on a une réputation comme ça, c'est peut-être qu'il y a des choses vraies. Et c'est peut-être nos ancêtres. Parce qu'ils râlaient, mais nous, on aurait râlé de la même manière. La Bible dit que Élie était un homme de la même nature que nous. Et notre nature, elle est pécheresse à la base. Notre nature, elle a des défauts. On doit combattre notre vieille nature. Mais quand vous regardez la vie d'Élie, la Bible dit dans la suite qu'il va prier pour qu'il n'y ait point de pluie. Et il n'y a pas eu de pluie pendant X années. Puis à nouveau, il va prier et Dieu va envoyer sa pluie. Il n'est pas dit dans l'Écriture qu'un tel était parfait, si ce n'est le Seigneur Jésus. Mais non, ni Moïse, ni Daniel, ni peu importe le nom que vous donnerez dans la parole de Dieu, ils avaient tous des défauts, comme nous. Mais nous connaissons le même Dieu. Est-ce que je fais appel à Dieu ? Est-ce que j'invoque mon Dieu continuellement ? Est-ce que je prends le temps ? Parfois, il faut faire un petit examen de conscience en disant, mais c'est vrai que j'avais un objectif, et puis alors je me suis attaché à Dieu, et j'ai commencé à prier, à lire la parole, et puis au fur et à mesure, ben, l'objectif étant atteint, j'avais plus d'autre objectif vraiment derrière, et je me suis peut-être refroidi. Je me suis peut-être un peu laissé aller. Pourtant, un instant dans sa présence vaut mieux que mille ailleurs. Et si je veux que Dieu me parle, il faut que je prenne le temps de l'écouter. Dieu parle, la Bible dit, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il vous a peut-être parlé au travers d'un chant, peut-être d'une parole, peut-être d'une prière, peut-être même d'une discussion. Moi, je me souviens d'une fois où je discutais avec un ami non-croyant, et nous discussions de tout et de rien, et puis d'un seul coup, il dit quelque chose, et moi, dans ma tête, je me dis, mais c'est ça la réponse. Et c'était une prière que je faisais à Dieu pendant X temps, alors bien sûr, je m'attendais à lui, mais pas forcément dans ces circonstances-là, mais là, ça a fait tilt, en disant, mais c'est ça dont j'ai besoin. Et je n'étais pas dans un cadre prière, réunion, non. Parce que Dieu parle, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais la Bible nous dit aussi que l'homme n'y prend point garde. Est-ce que nous savons où nous en sommes spirituellement ? Oui, Jéthro va se réjouir en disant que
le Dieu, l'Éternel, il est plus grand que tous les dieux. Plus grand que tout. Est-ce que je le laisse à cette place ? Est-ce que je le laisse à la place la plus haute ? Est-ce que tous les faux dieux, peut-être que j'ai pu servir, toutes les idoles, alors aujourd'hui le terme idole, c'est plus tellement des statues, c'est pas simplement des posters qu'on peut afficher sur nos murs. Des fois, les idoles, c'est simplement ce qui nous interpelle tellement qu'on pourrait plus s'en passer. Et Dieu, des fois, dit, mais attends, si je t'enlève ça, est-ce que tu vas continuer à me servir ? Est-ce que tu vas continuer ? Parfois, on a besoin d'être interpellé dans ce domaine. Quelqu'un a dit un jour que les choses que l'on possède finissent par nous posséder. D'où l'importance d'être vraiment attaché à Dieu. Moi, je remercie le Seigneur. Aujourd'hui, j'ai une belle maison, j'ai un beau jardin. Pour ceux qui ont fait le déménagement avec nous, vous avez vu que le jardin est grand et que ce n'est pas le tout d'avoir le grand jardin. Il va falloir s'en occuper. Il y a des défis. Et puis, peut-être pour vous, ce ne sera pas ça l'important, ce sera d'autres choses. Mais l'important est de ne jamais oublier que ce que nous avons, c'est Dieu qui nous l'a donné. C'est Dieu qui est au contrôle. Et que quoi qu'il arrive, Dieu pourrait nous enlever ça. Ce n'est pas ça le plus important. Vous savez, des fois, belle maison, belle richesse, beau quartier, rien ne manque, mais vous n'avez pas la paix, vous n'avez pas le bonheur, vous n'êtes pas tranquille. Ça arrive, ça arrive. Et parfois, vous n'avez rien, et pourtant vous êtes en paix. L'un et l'autre, d'ailleurs, vous pouvez ne rien avoir et ne pas être en paix aussi. Mais peut-être se dire tout simplement ce matin, est-ce que moi je peux dire comme j'ai trop ? Je reconnais que Dieu est au-dessus de tout. Et je ne veux pas servir quelqu'un d'autre que lui. Un des 10 commandements, et vous les connaissez sans doute, c'est « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne serviras pas d'autre Dieu. » Et des fois, ce n'est pas des dieux qui font 30 mètres de haut, si vous me permettez de le dire comme ça. Des fois, c'est quelque chose d'infime, des fois, c'est quelque chose qu'on ne remarque même pas, en tout cas à l'œil nu, mais Dieu peut mettre le doigt sur quelque chose en disant « Mais ça peut devenir ton Dieu si tu ne prêtes pas attention. » Frères et sœurs, n'oublions jamais de remercier Dieu pour ce qu'il nous donne. On enseigne aux enfants à dire merci, à dire s'il te plaît, et puis en tant qu'enfant chrétien, on les enseigne aussi à prier, en particulier la prière avant le repas. Et des fois, on minimise ça, mais... alors, ouais, vous voyez, moi, je suis quelqu'un, vous le voyez directement, j'ai bon appétit, je n'ai pas de problème avec ça, mais de dire tout simplement « Merci pour ce que tu nous as donné. » Parce que des fois, on a tellement l'habitude de l'avoir qu'on oublie de dire merci. C'est Dieu qui pourvoit. Mon papa, je vous en parle régulièrement depuis que nous sommes ici, mais fait beaucoup de voyages missionnaires. Et il va dans des pays où les gens n'ont rien. Et il dit, moi j'aime ça parce que ça me remet à l'endroit. Parce que quand je reviens ici et je me dis, on a tout. Et parfois on est si pauvres spirituellement. Mais eux qui apparemment n'ont rien, n'ont plus que ça à faire que de se tourner vers Dieu. Mais nous, même si on n'avait plus que ça à faire, peut-être qu'on ne le ferait pas. Mais eux, déjà, le peu qu'ils ont, ils l'offrent. Mais alors, ils n'oublient pas d'être reconnaissants. Alors, je vous dis, on pourrait dire, oui, mais ça, c'est l'image. Oui, mais ça, c'est la parure. Oh, non, parce que quand mon père se déplace, il ne parle pas bien anglais. Il ne le comprend pas trop bien non plus. Ils n'ont pas besoin de faire semblant. Et frères et sœurs, n'oublions jamais de remercier le Seigneur. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, depuis combien de temps tu n'as pas remercié le Seigneur pour la vie, pour le mouvement et l'être? Alors peut-être qu'on peut se dire, ouais, mais d'autres vont le faire pour moi. Mais tu peux faire aussi, toi. Toi aussi, tu peux faire ta part. Et il le mérite. Dieu est-il plus grand que tout dans ta vie? Il l'est, moi je vous le dis, il l'est. Même si je ne le croyais pas, il l'est quand même. Mais j'ai besoin aussi de dire à un moment donné, Seigneur, je veux ne jamais l'oublier. Je veux te laisser à cette place. C'est important, la prière. C'est important la communion avec Dieu, c'est important l'Église.
le fait de se réunir ensemble. La Bible dit que c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction. Alors quand je dis c'est là, c'est pas forcément ici spécialement, hein. C'est partout où nous cherchons à honorer Dieu. Parce que Dieu ne regarde pas à l'apparence. Je peux avoir une belle voix, je peux avoir une belle façon de m'exprimer, je peux connaître parfaitement la parole de Dieu, mais si mon cœur n'est pas droit, ça ne marchera pas. Par contre, je peux aussi avoir de grandes difficultés, d'élocution, peut-être je ne chante pas très juste, et peut-être je ne sais pas faire ceci ou cela, mais le Seigneur, lui, il voit mon cœur. C'est ça qui compte. La Bible dit « Garde ton cœur » plus que toute autre chose, parce que c'est de lui que vient la source de la vie. C'est de lui. Je dois garder mon cœur. Et je dois, c'est vrai, pour garder mon cœur, avoir ce temps de communion les uns avec les autres. C'est important, la famille de Dieu. Moi, je vais apprendre à vous connaître, hein, vous allez apprendre à me connaître aussi. On ne sera pas toujours d'accord, on ne sera pas toujours... forcément du même point de vue et autres, mais ce qui est sûr, c'est que quand on a un même objectif, celui d'honorer Dieu selon sa parole, alors on avance. Et peut-être de se dire tout simplement, bah oui, je ne maîtrise pas tout, d'ailleurs on ne maîtrise pas grand-chose, hein, mais lui, il est le maître des temps, des circonstances. Je dois m'occuper de ce que je peux faire, lui va s'occuper du reste. Et je vous le dis, je risque de vous le répéter assez régulièrement. Moi, je veux m'occuper des affaires de mon père, mais je veux surtout qu'il s'occupe de mes affaires. Je veux qu'il soit le maître. Je veux qu'il soit le roi. Je veux qu'il soit celui qui conduit, celui qui dirige, celui qui est capable. Vous savez que le Seigneur, je termine avec ça, ne fera rien dans notre vie si nous ne lui laissons pas le choix de le faire. Il peut le faire, il fait ce qu'il veut. Mais parce qu'il nous aime et parce qu'il nous respecte, il ne le fera pas sans notre consentement. Et ce matin, peut-être qu'il y a un domaine dans ta vie où Dieu est en train de mettre le point dessus en disant « Mais ce domaine-là, moi, j'aimerais m'en charger. » D'ailleurs, parfois, tu le dis aussi, mais tu ne me laisses pas les rênes. Je reviens souvent là-dessus ces derniers temps, c'est assez fort sur mon cœur. Je pense qu'il y a vraiment quelqu'un, quelques-uns, qui ont besoin de lâcher les rênes dans plusieurs domaines. De dire pas simplement, c'est pas par ma force, mais la tienne. Toutes les fois où Samson s'est avancé pour faire un combat avec les forces de Dieu, il a remporté le combat. La fois où il a cru qu'il pouvait s'en sortir par sa propre force et que tout venait de lui, il s'est écroulé. D'ailleurs, il le dira, je vais m'en sortir comme les autres fois. Oui, mais la grande différence, c'est que les autres fois, l'Éternel était avec lui. Là, la force de l'Éternel s'était retirée. Et parce que la force de l'Éternel s'est retirée, Samson a perdu. Ben, nous, ce sera pareil. Hein. On n'est pas mieux que Samson, on n'est peut-être pas pire non plus, mais ce qui est sûr, c'est que nous avons besoin de cette même force. Combien de fois nous sommes dit, comment je vais faire pour tenir ? Je ne vais pas y arriver. Et c'est parfois légitime. C'est là où le Seigneur dit, mais alors laisse-moi faire. Je vais t'accompagner. Je vais te donner la force nécessaire. Je vous ai cité mon texte préféré encore ces dernières semaines. Va avec cette force que tu as. Va avec ce courage qui t'anime. Va avec cette force que je t'ai donnée. Juge 6,14. Pourquoi ? Parce que si c'est sa force à lui, le combat, il est déjà remporté. Mais si c'est notre force à nous, ouf, ça va durer un temps, mais ça ne tiendra pas. Alors comptons sur le Seigneur, attendons-nous à lui, et croyons qu'il ne nous a pas oubliés. Il est capable de s'occuper de chacun d'entre nous, d'ailleurs il le fait. Et puis nous, bien, faisons ce qu'il faut pour être en communion avec lui. N'oublions pas qu'il est, c'est vrai, cet Éternel qui est puissant, qui est même tout puissant, qui est au-dessus de tout, et qui veut s'occuper de nos affaires. Seigneur, nous te remercions pour ta fidélité. Te remercions parce que tu as pris soin de ton peuple durant ces derniers jours, mais je dirais depuis la création du monde. Merci de ce que personne n'ait oublié de toi.
Seigneur, nous voulons encore compter sur ta grâce pour aller plus loin. Nous ne voulons pas oublier celles et ceux qui sont souffrants au milieu de nous. Nous ne voulons pas oublier les malades au milieu de nous et nous te les remettons au trône de la grâce parce que tu es encore le Dieu qui guérit. Tu peux en un instant délivrer celui qui est captif. Seigneur, nous ne voulons pas oublier ceux qui ne peuvent pas être avec nous parce qu'ils sont malades, parce qu'ils sont dans le désarroi. Eh bien, je te les apporte au trône de la grâce. Touche leur cœur d'une manière particulière, qu'ils puissent dire, mais en un instant, je me suis senti mieux parce que j'ai senti que le Seigneur m'a visité. Seigneur, tu as fait des miracles extraordinaires hier. Tu fais encore des miracles extraordinaires aujourd'hui. Et je crois que tu vas le faire aussi demain. Merci, parce que tu es le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Amen.